Akumama. Gloire à Christ, Akumama, libéra, libéra. Merci. Nous allons déjà. Kitsa moto sambela yebisa na kolo ate ayo. Sambeli na kombona Yesu Christ. Sambeli kula ate tout puissant. Tango ko ki pour te aviso. Yo lo ba ki ete na tango asu ka moko ta kolo bana mo jala ni e ba nzambe ka si pa so ba ko tesa mana yo. Na bongo yo kota na mosala kolo. Pour te ote aviso ni lo bana na poko alelo. Afin que Togo Banabozala édifié et perfectionné, tel qu'il est écrit dans le livre de ta parole. Kokisa Mopona Lokumunayo. Utilisez puissamment mon mot sale d'ailleurs. La Kumuna Okolo, au corps, c'est mon petit ami, c'est ce que je vous dis. Amen. Amen. Ok, tout est le missi Mosakoli, et l'ongona Mobobo Likota, pour Baya Bote Haliso, Karim. Que la paix de Jésus Christ soit le partage de tout un chacun. Et que le Seigneur apambola vraiment. Et que le Seigneur bénisse, maman bien-aimée. C'est un bon jour. Ezali mokolo malamu. Ezali jour tozoka la parole. C'est le jour où nous écoutons la parole. Kinzambe apesio le paix quotidien. Soki kola apesio lipa ya mokolo na mokolo. Il faut louer Dieu. Il faut louer. Zana moto mosusu ko bana la moki tisiko ya kutani na parole de Dieu. Il y a d'autres personnes depuis qu'il s'est réveillé jusqu'à maintenant, il n'a pas croisé la parole de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur a saranga grâce. C'est pourquoi le Seigneur m'a fait grâce. Là, on a loué ka konzambe. Là, je loue le Seigneur pour cela. Même si on fait appel à toute l'assemblée, qu'une seule personne seulement se présente. Je peux travailler avec cette personne-là jusqu'au matin. Je sais que j'ai prêché l'église. Moi, je ne regarde pas la Merci. Foule. Merci. Un fils de paix à Zawan. La première des choses, je regarde s'il y a un fils de paix à cet endroit. Le Seigneur a lui fanda. Kola lobi tika la wana. Kolo kote mwana moko ya kimia. Comme tu n'as trouvé qu'un seul fils de paix. Kutana na ba terrain. On a croisé des terrains de service. Sali mosa musala koyo convoquer toute l'église. Vous travaillez, vous convoquez toute l'église. Mais la nuit, tu ne te retrouves qu'avec une seule personne. Et wana pe intendance ba privé mbongo ya kosomba ta pétrole pona kozana lumière boko ka kotanga Bible. Et là, l'intendance vous prive aussi l'argent d'acheter même le pétrole pour allumer la lampe combattre biso makasi. Dans ces milieux-là, on nous combattait terriblement. Ah, le bibo luka ka bakoni mamo apelisi bakoni boluka bakoni tocha mu pepe tango mwa motezo bimana motanga Bible. De chercher du bois afin qu'on allume le feu et on va lire la Bible. Donc, otimu pepe boye. Tu souffles vraiment. Na éclairage. Avec cet éclairage. Ozota ozosala musala na butu na mutumbo. Tu lis la Bible avec une seule personne pendant toute la nuit. Donc c'est comme ça. C'est comme ça, bien. La vie du Seigneur. Bomo ya bonzambe. Oui, ça va très utile pour annoncer la parole. Ce qui est très utile, c'est que tu puisses annoncer la parole. C'est ce qui est la plus grande des choses. Et c'est pourquoi, dans le bagage, ceux qui
Zamba ponio ya koyoka la parole. D'abord yo moko sepela. C'est pourquoi j'ai toujours dit si le Seigneur t'a choisi de venir écouter la parole, réjouis-toi d'abord toi-même. Il ne faut pas regarder la foule. Église, foule makasi. Tu peux voir toute une foule dans l'église. Les païens. Kasi ba pagan onde ba tondi. Tu regardes les sœurs avec des courtes jupes qui les serrent le corps. Attendez-y, ma rouge, na ba blesse guinini. Qui c'est ceux qui remplissent les phares à jour dans leur visage? Tu regardes les frères là-bas avec des pantalons kangadadi. Église des saints. Église à ma sainte. Vous allez les voir beaucoup de frères. Mais la pureté est à Kasi bon moi abo peto ezangi ba. Baloki na ngamba basi abatei ba mèche, ba bijoux. Tu te tournes du côté des femmes, des serviteurs de Dieu, des mèches, des bijoux. L'église des saints se prépare pour que les nettoie. L'église des saints qui se prépare pour l'enlèvement de la bosotoa avec une telle impureté. Lola na yonde. Ah, ton propre ciel. Si c'est ta maison que tu bâtis, c'est ça le ciel, tu vas y entrer. Avec toute cette légèreté dans les choses de Dieu, tu vas faire entrer les gens là-bas dans ton, dans ton propre ciel. Dans les ciels auxquels on joue après, avec ton... après les gens y entrent. Propriétaire alors a dit que personnellement y entre. Le maître du ciel lui-même avait dit bato monke kakane bakota. Alors dit porte wana esa étroite. Donc cette porte là esali et kukione esa kaka. Abakisi de loba mususu. Il rajoute une envie d'autre. Resserré et kangama. Wana kolo porte. Là le propriétaire de la porte. Il a forme porte. C'est lui qui explique la forme de la porte du ciel. Esa d'abord étroite. Donc Ezali qui a caca, à ce qu'il y a il ne s'est pas arrêté là. Il a rajouté resserré et kangama. Après l'obé. Et puis il rajoute caca bato moke caca de kololola. Là le maître du ciel lui-même. Il dans le vivant. C'est lui qui a dit cette parole. Eh, on ne se moque pas de Dieu. Béba tu la kanzambe. Le Seigneur aime les humbles. Zambia linga kaba yeba mi kitisaka. Aujourd'hui, nature yakumi kitisa devant le Seigneur. Tu prends la nature de l'humilité devant le Seigneur. De quoi Azala qui s'est donné wana? Les frères qui s'est donné. Azala ka finaliste. Il était un finaliste. Et là, je pense que tu as le 29 ou bien le 28. Aujourd'hui, le 29 octobre. Le 29 octobre 2021. Azala qui finaliste. Il était finaliste. La sixième amie, nous voulons en volonté, vous voyez la parole. Je lui ai dit, comme tu as la volonté de venir écouter la parole, tu auras ton diplôme. Maintenant, le temps des examens d'État est arrivé. Préfet n'a pas encore sa la liste qu'il faut que ça m'bongo pour même. Et le préfet exigeait l'argent pour amener les noms chez l'inspecteur. Il leur disait à tous dans des réunions que si tu ne donnes pas l'argent, moi je me prépare déjà à aller me rencontrer avec les inspecteurs. Si tu ne donnes pas l'argent, tu ne réussiras pas non plus. Là, tous les enfants se sont empressés. Lui n'a pas donné. Il vient maintenant me déranger. Papa, tout le monde a donné, seulement moi qui ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que tu as été? Préfet. Les préfets ne vont amener que les noms des enfants qui ont donné l'argent. Je lui ai dit, je t'avais déjà dit. Tu vas réussir. Les paroles qu'il dit
va changer, vont changer. Vous voyez comme il dit, ce sont ceux qui ont donné qui vont recevoir. C'est lui qui n'a pas donné, il recevra. Vous voyez comme nous sommes avec toi, ça va changer. Toi, reste, demeure seulement dans la prière. Il croyait, mais avec peur, avec crainte. Je l'ai rassuré. Maintenant, après avoir passé les examens, les résultats, la sortie des résultats, leur école, combien de personnes ont réussi? Une seule personne seulement. Qui? Le frère qui n'avait pas donné l'argent. Tous avaient échoué. Je lui ai dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Ces paroles, je vais les changer. Toi, demeure seulement dans les prières. Je vous dis au nom de Jésus-Christ. Il n'avait reçu que lui seul. Échoué. Tous ceux à qui on avait envoyé le nom dans la liste avaient échoué. Lui seul avait obtenu le diplôme dans leur promotion. Dans leur école. Dieu. Il ne faut pas voir minimiser l'œuvre de Dieu. Lorsque tu te donnes, le Seigneur, Va te rémunérer. Si tu négliges, tu auras aussi le salaire de ta négligence. Moi, je n'ai rien perdu. J'ai l'enseignement, la matière par la grâce du Seigneur. Je n'ai rien perdu. Si quelqu'un a perdu, je ne veux pas écouter, c'est lui qui a perdu. C'est lui qui a perdu. Là où il y a la matière de la parole de Dieu, elle ne manquera jamais. C'est pourquoi il faut avoir la volonté de Dieu. C'est pourquoi tu dois toujours avoir la volonté d'écouter la parole. Le désir de t'attacher à la parole. C'est très important. Et ça pour tout ya makasi. Parce que la parole est une solution à tout problème. Parce que c'est la parole qui te donnera la solution à tout problème. C'est la parole. Et ça l'iloba. C'est une solution à tout problème. C'est la parole qui va te donner la solution à tous tes problèmes. Il faut que en toi que tu aies cette forte conviction que tu ne doutes de rien. Parce que le Dieu que nous servons est vivant. Parce que le Dieu que nous servons est vivant, bien-aimé. Il est si puissant. Lorsque tu viens à l'église, ne pense pas que tu viens pour soutenir un homme. Toi et moi sommes venus soutenir la parole. Nous ne sommes venus n'élever que la parole. C'est pour cela que nous sommes venus. Ne sois pas là. Si je ne suis pas là, le frère va se décourager. Non. Nous tous, nous sommes venus pour témoigner la parole de Dieu. Alors, si quelqu'un ne veut pas le faire, c'est sa part à lui. Il aura aussi les salaires à sa manière. C'est ça, la parole du Seigneur. Et tu dois savoir la parole de Dieu telle qu'elle est. Parce que Dieu est tellement grand. Oui, Zambazali, mon ennemi, ma case. Dieu est tellement puissant. Zambazali, na nguya, ya ma case. Totangi. Texte, n'abissons d'abord dans Apocalypse 12. Nous lisons notre texte dans Apocalypse 12. Par la grâce de Dieu. Nangouli en Zambé. Tobandi à partir, il y a verset 7. Nous commençons à partir du verset 7. Autant y'a noté dans verset 18. Et nous les lirons jusqu'au verset 18. Torobakinyon Soana et Zanangakanakati Yabatan Yabaso. Nous avions dit que tous ces événements sont contenus dans le sceau. L'écriture est mis sur nous, lisons au nom de Jésus-Christ. Le pasteur Seba va nous aider avec la traduction. Verset 7, il y a verset 12. Et il y a guerre dans le ciel. Paix et tombez à la guinée à l'écolo.
Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Michael et Nabangelou n'avaient pas bondi ça qui dragon. Et les dragons, ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables, et Satan. Satan, celui qui séduisit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc jusqu'à craindre la mort et à l'issakake, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand les dragons virent qu'il avait été précipité sur la terre, ils poursuivaient la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle firent donner à la femme, afin qu'elle s'envola au désert vers son lieu. Et les nourrit un temps. Wapi azali kolisa manatango mo na tango boko. Na batango et la moitié d'un temps. Pena ndambo ya tango loin de la face du serpent. Mosika na elongi na nyoka et de sa bouche. Pe uto na monoko na ye. Le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Nyoka abwaka kimai lokola ebale sima na mwasi. Afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourit la femme. Et la terre ouvrit sa bouche. Et engloutit le fleuve que les dragons avaient lancé de sa bouche. Et les dragons furent irrités contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il s'éteint sur le sable de la mer. Et Dieu bénisse cette écriture. Nous pouvons nous rasseoir. Par la grâce de Dieu, tous autant pour la par la grâce de Dieu, nous marchons comme le Seigneur nous conduit.
Il faut savoir louer le Seigneur parce que tu es venu écouter la parole. Et puis tu pries à Dieu de t'aider à saisir l'enseignement. Le Seigneur a fongola yo l'intelligence. Et le Seigneur t'ouvre l'esprit. Afin qu'on comprenne la parole de Dieu, le message du Seigneur. Afin que tu comprennes la parole de Dieu qui est le message du Seigneur. L'obi to sorola qui sur reste y a postérité oyo ene toami. Hier nous nous étions entretenus sur les restes de la postérité de la femme qui fut enlevée. Tozoaki verset 5e Apocalypse 12. Nous avions pris le verset 5 d'Apocalypse 12. Tomoni postérité ningakei. On a vu la postérité comme elle fut enlevée. Tozoaki verset 17. Apocalypse 12. On avait pris le verset 17 d'Apocalypse 12. Et les dragons firent était contre la femme. Et la assis qui moi. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Donc postérité yoyo moi na oya kei na verset 5. La postérité, c'est le fils qui fut enlevé au verset 5. Mais au verset 17, reste beaucoup à Tikali. Mais au verset 17, on nous parle d'un reste. C'est pourquoi nous avions fait voir. Reste à Tikali. Le reste qui y est là. Ezali, Oyoyo, Apocalypse 7, Alobi. C'est cela dont nous parle l'Apocalypse 7. Oyo bazole kana grande tribulation. Ceux-là qui passeront dans la grande tribulation. Nazo Apocalypse 7, verset 9, 10, verset 15. Je prends Apocalypse 7, le verset 9 jusqu'au verset 15. Natangi yango na kombo na Yesu Christ. Amen. Après cela, j'ai regardé. Nasimana wana na talaki. Et voici, il y avait une grande foule. Et talai tuluku ya bato ebele. Que personne ne pouvait compter. Oyo moto moko te akokaki kotanga. De toute nation. Ya libota nyonso. De toute tribu. Ya ekolo nyonso. De tout peuple. Ya ekolo nyonso. De toute langue. Pe ya kota nyonso. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau. Bango bazali samakito batelemaki liboso ya ngwende pe ya mwana pate. Revêtu de robes blanches. Bango balataki basambala pembe. Et des palmes dans leurs mains. Pe mandalala na baloboko na bango. Palme etalisaka signe ya royauté. Les palmes représentent la royauté. Etalisaka signe aussi la justice. Et représente aussi la justice de Dieu. Yango komona ke tango Jésus-Christ azako kota Jérusalem. C'est pourquoi lorsque Jésus entrait dans la ville de Jérusalem, bato bazwaki ba rameau. Les gens avaient pris des rameaux de palme. Bayena yango. Et les ont amenés. Abandi koloba Hosanna au fils de David. Et ils commençaient à dire Hosanna, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du fils de David. Apambola mo azali na koya na kombo mwana Dawidi. Wana Matthieu 21. Là Matthieu 21. Pona kotari saketango azu ba palme wana badotari sake bazo accueillir un roi. Donc en prenant les palmes, ils montraient qu'ils étaient en train d'accueillir un roi. Awa ezali batu ya bakota nyonso batama bere mobi. Ce sont des gens de toutes les langues de la terre. Et il criait d'une voix forte. Je suis au verset 10 d'Apocalypse 7. Il criait d'une voix forte en disant, l'Esali est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et les vieillards et les quatre êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant les trônes. Et ils adorèrent Dieu en disant Amen. Amen. La louange, le coup, la gloire, la sagesse, poignia, l'action de grâce, matondi, l'honneur, le coup, la puissance, Nguya, et la force Okasi, soit à notre Dieu biso, au siècle des siècles. Bikeke na bikeke. Amen. Ezala bongo. Verset 13 maintenant. Verset 13. Il y a Apocalypse 7. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit. Pe moko ya bapakazwa ki
Ceux qui sont revêtis de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Verset 14 maintenant. Et verset 14. Et Apocalypse 7. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Et c'est ce que je voulais que tu puisses plus saisir. Ils ont lavé les robes. Et ils les ont blanchis dans les sangs de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Et les servent jour et nuit dans son temple. Action Oyoyo, Ezana verset 14 à 15. Cette action qui est au verset 14 et 15, Ezana na millénium. C'est au millénium. Donc yango ya en Apocalypse 20. C'est ici dans Apocalypse 20. Verset 4e. On commence à partir du verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tant qu'il a commencé sous Christ. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent, firent donner le pouvoir de juger. Ceux qui sont assis sur ces trônes, Jésus a parlé d'eux dans Matthieu 19, verset 28. Ou verset 28. Matthieu 19. Matthieu 19. Verset 28. Le verset 28. Je dis au nom de Jésus-Christ. Nathan qui n'a combiné sous Christ. Jésus leur répondit. Je vous l'ai dit en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Et le Fils de l'homme s'assoit sur le trône de sa gloire, c'est à la septième trompette. Dans Apocalypse 11, verset 15. Dans Apocalypse 11, le verset 15. Parce que nous allons attendre la étape par étape. Parce que nous aimons toujours marcher étape par étape. La parole aux en difficulté. Lorsque tu écoutes la parole, que tu n'aies pas de difficulté. Dans la tangue, nous s'assoit. Écoute. Regarde lorsqu'il s'assoit sur le trône. Apocalypse 11, verset 15. Apocalypse 11, le verset 15. Le septième sonna de la trompette. Moi, je lui assemble où la qui qu'elle est là. Dans un verset 15, Apocalypse 11. Et il y eut dans les ciels de fortes voix qui disaient, les royaumes du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Jésus a zolobela oyoyo. C'est Jésus parle de cela dans Matthieu 19. Donc à cause du royaume du monde. Donc il recevra le royaume du monde. Royaume du monde dans un bon millénium. Le royaume du monde, le Seigneur le reçoit au millénium. Nathan millénium, moi dans des Matthieu 19 verset 28 et lui. Et c'est en ces temps-là que Matthieu 19 le verset 28 nous dit. Na continue na yango. Je continue avec cela. Donc Nathan Guiwana. Non, Apocalypse 11 verset 15. J'ai lu dans Apocalypse 11, le verset 15. Bazolo ben la septième trompette. On parle du son de la cinquième trompette. Septième trompette. On parle de la septième trompette. Isa l'éloté. N'est pas aujourd'hui. Donc, Isa et Kangamina Armageddon. Cela est attaché à l'Armageddon. Après l'Armageddon, le Seigneur a visité Israël. Le Seigneur visitera Israël. Après avoir visité Israël, le Seigneur a séduit sa bateau balikaki na grande tribulation. Le Seigneur va ressusciter ceux qui étaient passés dans la grande tribulation. Na verset 4e on a lingina tanga na Apocalypse 20, verset 4. Au verset 4 que je vais lire d'Apocalypse. Donc, à cause que ça va tomber dans la grande tribulation. Le Seigneur va ressusciter ceux qui viennent de la grande tribulation. Et cause là, dans l'air, il y a millénium tangizobanda. Ce sera au début du millénium. Et Apocalypse
21 verset 9 tina 17 et Apocalypse 21 verset 9 jusqu'à 17 et Dalis Misso la femme de l'agneau nous a montré la femme de l'agneau qui provient du ciel pour descendre sur la terre à partir du verset 9 na 10 et Apocalypse 21 à partir du verset 9 et 10 d'Apocalypse 20 donc ya kokuta na nabande kwa na biso ba kotika lo ba koleka na grande tribulation on viendra rencontrer nos frères qui resteront et qui passeront la grande tribulation wana lise kwa na bakota ngwesalemi et là lorsque leur résurrection s'accomplira et cette résurrection aussi s'accomplira pour les 144 000 scellés d'Israël parce que les 144 000 aussi seront tués par la bête dans l'ère grande tribulation du temps de la grande tribulation et tu as dit que tu as dit que écriture par écriture c'est une grâce parce que moi j'aime parler des points écriture par écriture. Ici, je montre, comme on nous dit dans Apocalypse 4, le verset 20. Il y a beaucoup de trous d'Apocalypse 20, le verset 4. Balobi, il y a na bato bafandi na trône. Il y a des gens qui sont assis sur ces trônes là. Jésus a le belango déjà. Jésus en avait déjà parlé. Dans Matthieu 19, verset 28. Dans Matthieu 19, le verset 28. Matthieu 19, verset 28. Matthieu 19, verset 28. Jésus leur répondit. Yesu ayanoli bango. Je vous l'ai dit en vérité. Nazali kebsa mino na boso. Voilà verset 28 de Matthieu 19. Quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, donc, Nayo, Nangai, Naba Pierre, Naba Jean, Naba Jacques, que ce soit toi et moi et les apôtres, vous qui m'avez suivi, Bino Yobolandingai, vous serez de même assis sur les 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Tout ceci, nous allons l'expliquer par la grâce de Dieu. Mais nous portions que. Mais nous avons d'abord pris la grâce de Dieu. Lorsque le Seigneur au renouvellement de toutes choses. Nous qui l'avons suivi, nous nous assierons sur le trône pour juger. Nous ne jugerons pas seulement les 12 tribus, et aussi, mais il se fera aussi dans 1 Corinthiens 6. Nous le lisons. 1 Corinthiens chapitre 6. Juger les 12 tribus ne veut pas dire yo, toi, qu'est-ce que tu avais fait ces jours-là? Alors, Jida, viens, ce n'est pas ça, bien-aimé. Cela veut dire la place qui était pour lui. Il verra nous dans cette place. Action en a déjà. Cette action-là déjà. C'est un jugement. Et Zanin, il s'en est ici, mon bimba. Parce que Yéné, dans Isaïe 54, verset 5, Azali, la femme de l'Éternel. Parce que c'est Israël dans Isaïe 54 qui est la femme ou l'épouse de l'Éternel. Et Zanin dit Vachi. C'est comme la reine Vachi. Azaki, moi, si, il y a. Assyris, roi. Elle était l'épouse du roi Assyris. Mais tant qu'Azomona Esther la fanny. Mais lorsque Vasti voit Esther sur le trône royal, c'est un jugement pour elle. Et Zali, il semble ici pour Naï. Nazui 1 Corinthiens 6. Je prends 1 Corinthiens chapitre 6. L'écriture est le Bible. L'écriture dit ceci. À partir du verset 5. 1 Corinthiens 6. Nabani même na 7, verset 7. Bon, nabana na verset 6 parce que ça n'a dit comme n'a loba. Na 6. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens 6.
Je l'ai dit à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage. Il faut savoir ceci. La loi que le Seigneur a donnée à Israël. La loi que le Seigneur avait donnée à Israël. Loi wana, cette loi bien-aimée. Écriture et lobby. L'écriture dit que toujours Deutéronome 6. Prenons Deutéronome chapitre 6. C'est très important et nous soyons bakayango. Et c'est très important que tu saches toutes choses. Que sans base. Que tu ne puisses pas parler en l'air sans écriture. Toujours Deutéronome 6. Tu prends Deutéronome chapitre 6. À partir du verset premier. À partir du verset premier. L'écriture des Olobaboy. L'écriture dit ceci. Soko garder la parole. Si tu gardes la parole, à partir du verset premier, tu es dans le sixième. À partir du verset premier jusqu'à sixième. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. Tala mibeko mitindo pe malako yozambe apesi mitindo. Afin que vous les mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. En observant tous les jours de ta vie. Toi, ton fils. Et les fils de ton fils. Toutes ces lois. Et tous ces commandements que je t'ai prescrits. Afin que tes jours soient prolongés. Donc quand tu gardes la parole, lorsque tu pratiques en bon, lorsque tu gardes la parole, tu la pratiques. Et pour prolonger tes jours. La parole va prolonger tes jours. Josué chapitre 4. Chapitre 4 maintenant. Chapitre à partir du verset premier. À partir du verset maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique. Afin que vous viviez. Et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu. Tel que je vous le prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. Et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes aujourd'hui vivants, tous vivants. Maintenant, verset 6, toujours il y a 4. Vous observerez et vous le mettrez en pratique. Car ce sera là votre sagesse. Donc, fille israélite, na fils israélite. Là, on s'était adressé aux fils et filles des enfants d'Israël. Ce qu'on met en pratique la loi de Dieu. Si tu mets en pratique la loi de Dieu, cette loi-là, mon bekoana, et qu'on a la sagesse. La, cette loi-là sera la sagesse. Pour na yo fille à Israël, na fils à Israël. Pour toi, fille ou fils d'Israël. L'écriture continue. L'écriture continue. Ce sera votre. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Suis-moi attentivement. Ceux qui vont mettre en pratique la parole, s'ils mettent en pratique la parole de Dieu, Bangonios, et tous, et à la sœur, que ce soit la sœur israélite, une sœur israélite, et à la frère israélite, ou un frère israélite, Aza sage,
bazali pia intelligent batwabwanya pia mayele mezambe tango alingi atia mokambi. Mais lorsque le Seigneur voulait établir un conducteur na kati na bango parmi ces gens là il faut avoir sagesse, il faut qu'il prenne encore la sagesse apesi mokambi pour donner au conducteur du peuple. C'est comme apesa qui Salomon. C'est comme il avait donné à Salomon. Premier par Salomon, Zaki na sagesse parmi Deutéronome 4. La première étape, Salomon avait la sagesse comme tout enfant d'Israël. Les fins botami israélites. Les coucou la botami israélite. Comme il est né israélite. Azo vivre selon la loi. Il vit selon la loi. Azo sage. Donc il est sage. Azo intelligent. Il est intelligent. Mais pour Kamba. Mais pour conduire le peuple. Le Seigneur a Yeshua Pessi sagesse. Le Seigneur est venu encore lui donner la sagesse. Sagesse ou Anapessi Salomon. Cette sagesse qu'il a donnée à Salomon. Apessa Angoba Ser Juifite. Le Seigneur ne les donne pas aux filles des enfants d'Israël. Et ça n'est dit aux Alélo. C'est comme nous sommes là aujourd'hui. L'évangile de la grâce pour Tosana Yango. L'évangile de la grâce que nous avons. Mutoyo azana bisote na doctrine. Celui qui n'est pas avec nous dans cette doctrine. Sokayo ki sœur azoluba. Si il écoute notre sœur parler. Lolenge azota disama kama na kata libota na ye. Exposer les choses. Bakolo bazan sage. On dira que cette sœur là est très sage. Ce qui peut être un frère, lolenge azota la makambu. Si on écoute aussi un frère, la manière dont il expose les choses, Azali Penza, Montona Boisson. C'est par rapport à parole. C'est par rapport à la parole qu'il a. Mais Pona Bokambami Yamosala Azambe. Mais pour la direction de l'église. Il vient avec la sagesse. Samaya Kanisusu na Boanya. Apesa Ango Serne. Le Seigneur ne la donne pas aux sœurs, non. C'est pourquoi Paul a lobi dans 1 Corinthiens 6. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 6. Azolobe la déjà bato yo bandima parole. Paul parle déjà à ceux qui avaient cru à la parole. Donc bazan la loi de Dieu. Qui ont la loi de Dieu? C'est là venu bazan sage. C'est là venu que ces gens-là sont sages. Mais bazan intelligent par rapport à l'écriture, à la parole. Intelligent par rapport à l'enseignement, à la parole. Mais Paul a tuni Jesus. Mais Paul a encore posé la question. Est-ce que parmi nos bateaux sages, bazate. N'y a-t-il pas un seul homme sage parmi vous? Ozola Namala, suivez attentivement. D'abord, Bango Nyonso. D'abord, eux tous. L'évangile au bazana. L'évangile qu'ils sont. Et ça, les Bango qui bazana sage et intelligent. Rend ces gens-là des sages et des intelligents. Mais Zambé. Mais le Seigneur Ayaka Nakata Libota vient encore parmi le peuple. A Bessi. Batou moko sagesse pour remettre à certains encore la sagesse pour juger des problèmes pour nako kata makambo orienter makambo pour nako talisa batou cela pour la sagesse on appelle ça moni certain. Cette sagesse là le Seigneur ne la donne pas aux sœurs. Yangonde babenga mona 1 Corinthiens 12 don de la sagesse. C'est ce qu'on appelait dans 1 Corinthiens 12 likabo ya maloba poanya. Donc à part sagesse et enseignement, n'est tout dit ma parole. À part la sagesse de l'enseignement qui est dans la nous parole. Avons tous la sagesse. Mais soyons surtout allés dans frère sœur. Et ça la décomobali tomoisi. Nagozo andagisa. Je peux prendre un exemple. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront pris. Botala likamo e kolanda baye oyo bakondimela. Amono. Na kombo na ba. Ils chasseront des démons. Bakobenga na milima be. Ils feront des miracles. Bakosala likamo. Donc on les a bonnes sœurs, na frères, bon abisonios. Et ça c'est pour les sœurs, les frères, pour toute l'église. Mais dis pas à la gana don des miracles. Si ça ne met pas à la gana likamo ya likamo, akosala likamo. Aïe vraiment pèse à mon moutou. Vient vraiment, il les donne à un frère. T'as vu madame? Là, ils ont don particulier. On est allé comme un moto. Lié bien à un service. Oh yo, et quand on a mis la moussala mon corps. Nous nous faisons bien comprendre. Il y a des dons, tant on est sur des dons, parce que la radio toujours mais là, sur les dons spirituels. Parce que à la radio nous parlons sur les dons spirituels. Il y a d'autres dons que le Seigneur n'octroie pas aux sœurs. Comme je dis. Don ya ko gouverner. Donc, l'ikabu ya ko kambaba.
Donc le Seigneur va te donner le don de gouverner pour nous conduire dans l'église. Parce que ça n'a Romain 12. Parce que ce don-là se retrouve dans c'est un don, il y a un président. C'est un don. Celui qui a reçu le don à présider, a présidé avec zèle. Et celui qui a reçu le don de présider, a salamé. Et le Seigneur va donner ce don-là à une maman. Et bébé, c'est écrit. Cela va endommager. Mais c'est un don de l'esprit. Car c'est Zali qui a boit mon limon. C'est un don de l'esprit, mais exclusif pour les ministres. Un don de l'esprit, mais réservé exclusivement pour les serviteurs. Il faut savoir bien expliquer les dons spirituels. Aujourd'hui, don de la sagesse. Prenez le don des paroles de sagesse. Différent de la sagesse, c'est ça comme. Cette sagesse est différente de la sagesse de l'enseignement que tout le monde peut détenir. Comme tout Israël était sage et intelligent. Mais le Seigneur veut enrôler quelqu'un de sa sagesse. Il prend vraiment une autre sagesse et il lui donne. Nous prenons seulement l'exemple du roi Salomon. La sagesse donnée à Salomon est différente de la sagesse donnée au frère ou à la sœur. Et cette sagesse sera là pour que Salomon puisse résoudre les problèmes. Dans l'assemblée d'Israël. Alors le Seigneur lui donne la sagesse. C'est différent la sagesse à Bessi. Israël, mon imana, Deutéronome 4. Et cette sagesse est différente avec la sagesse donnée à tout Israël dans Deutéronome 4. Sœur, ma sœur, tu peux prier. Miracle accompagné, c'est la parole. Et le miracle t'accompagne, c'est la parole de Dieu. Mes âmes, mes pères, des miracles. Mais le Seigneur a aussi l'ikamoya kosalaka bikamwa. Bisonion sotoza na foi pour ton demi parole. Nous tous nous avons la foi parce que nous avons cru. Mais ça n'a pas un don y a foi. Et ben il y a aussi le don de foi. Donc la différence dans la Bible. J'aimerais que vous sachiez les différences qui sont dans les Écritures. Sœur, ne mozana la parole. Sœur, comme tu as la parole. Mon demi parole. Tu crois à la parole. Mozana sage. Osalim. Lorsque tu discutes ensemble, soit avec tes frères ou d'autres gens qui ne connaissent pas la parole, tu sentiras vraiment que tu as la sagesse. Maintenant, eux aussi vont témoigner. Raisonnement, ça n'a pas bien. Vraiment, tu as un raisonnement cohérent. Mais il y a encore la sagesse. Mais il y a encore un don de parole de sagesse. Le don est là pour résoudre les problèmes. Ça met à pesa ngo pour na kokata makambo kati ya libota. Pesa ngo mibali. Le Seigneur ne le donne qu'aux hommes serviteurs. Et mingi mingi basadi. Et beaucoup plus les serviteurs. Boto kokoza la awa. Parce que nous pouvons être ma là. Problème ezali. Les problèmes surgissent. Ma pasteur bazali. Et les pasteurs sont là. Alors personne sage a bimanaka ta frère moko azo résoudre le problème d'église. Et les personnes sages sort parmi un frère pour résoudre les problèmes à l'église. Vraiment. Cela n'existe pas. Le Seigneur a fait ça, les serviteurs. Ça me a fait ça, Kalikabouana na basali na ye. Yango tango Paul a joué le bawa. C'est pourquoi lorsque Paul dit, yango moni na bande vinde awa. C'est pourquoi j'ai commencé par ici. Je l'ai dit à votre honte. Na solo bako pona soni na bino. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage. Qui puisse prononcer entre ses frères. Mon côté à moi, Zali, à Wakatikat, n'a pas qu'à ta macambo, Oyo Bandeko Bazanango. Où est la sagesse à monde de terre? Ici, ce n'est pas la sagesse du monde. Sagesse à monde est diabolique. Boigna mon qui les alliés à Zambolo. Bengi Jacques 3 et Bingia. Comme Jacques 3 l'a appelé. Charnel. Et ça venait à mon tonto. Mais sagesse est en Zambé. Mais cette sagesse, elle est divine. Mais un frère plaide contre un frère. Et cela devant des infidèles. Mais à son qui ne colombe la ngoba pagan. Mutazana problème na frère naye. Quelqu'un a un problème contre son frère. Ma mimi frère naye na police. Mais il traîne son frère à la police. Na policier wana zo sala lobi. Mais même le policier lui-même s'étonne. Je deviens plus supérieur que ces pasteurs là-bas. L'église. Parce que les pasteurs ne sont pas parvenus à régler le problème. Là-bas, on a un problème entre frères et frères. Là, on parle des problèmes entre les frères croyants de l'église.
Suivez attentivement. Il faut que ça soit résolu dans l'église. Leur problème doit être résolu dans l'église. Verset 7. Le verset 7. C'est déjà 7 un défaut. Et ça lit Mbeba Pinza. Wanaya, toujours dans 1 Corinthiens 6. C'est déjà 7 un défaut chez vous. Et ça lit Mbeba de Epanabino. Que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt de prier? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Vous évitez que les pagans ne s'engolent pas pour qu'on s'enlève. Vous aurez un amalant. Suivez attentivement. Ne vous y trompez pas. Vous m'y constatez. Ni l'impudique, ni l'idolâtre, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Ces anges ici sont des démons. Donc, anges déchus. Que Dieu bénisse. Amen. Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. C'est ça l'élément qui est dans le trône. C'est ça l'élément que nous serons sur le trône. Il y a une ombre. C'est pourquoi dans l'ombre. C'est pourquoi il devait se faire dans l'ombre que le Seigneur fasse qu'une femme devienne juge en Israël. Et cette Déborah était le signe de l'Église. Parce que l'Église aussi a juge. Parce que l'Église aussi est juge. Tant que Déborah a juge, par le but que Déborah commis sacrificateur. Non. Et quand ça, c'était une confusion. Déborah devient juge, on ne dit pas qu'elle est devenue sacrificateur. Non. La loi était dans ma boca, il y a pas sacrificateur. La loi était entre les mains des sacrificateurs. Et Nathan, on a conduite, il y a peuple qui entre les mains des anciens. Et en ce temps-là, la conduite du peuple était entre les mains des anciens. Sauf autant que Josué 24. En lisant Josué 24. Avant au Banda. Livre à juge. Avant que tu ne commences le livre, Josué a dit qu'a conduit ta peuple entre les mains des anciens. Josué avait laissé la conduite du peuple entre les mains des anciens. Place où on en est, Paul a joué à Émissi Timothée. S'il y a quelqu'un qui a rempli les conditions anciennes, c'est là que Paul a pris pour dire à Timothée, si se trouve quelqu'un qui remplit les critères d'un ancien, vraiment à aspirer la chose le meilleur. C'est pourquoi nous prêchons. La conduite de l'église locale est entre les mains des anciens. Et où t'es dans Josué 24? Cela provient de Josué 24. Parce qu'après la mort, il y a Josué. Parce que après la mort de Josué, Josué a dit qui peuple n'yon son en bas ancien. Josué a laissé tout le peuple entre les mains des anciens. Véritable Josué, c'est Jésus-Christ. Il est véritable Josué comme Jésus-Christ. Donc après avoir y a se sacrifié, après son sacrifice, l'église est bandée dans acte 2. L'église commence dans acte 2. Voilà, Paul a dit que l'église ouana oyo et dit après que Josué s'est sacrifié, il faut ancien de bakamba yango. Et Paul a prêché que après l'église qui est laissée
qui est laissé après le sacrifice de Christ doit être conduit par les anciens. Nous n'avons pas un modèle un américain. Nous n'avons pas pour modèle non plus un européen. Nous avons pour modèle les Écritures. Lorsque le ministre ne remplisse pas encore les critères de l'ancien homme, ils sont là comme des conducteurs. D'après Hébreux 13, verset 6 à 7. D'après Hébreux 13, le verset 6 à 7. Les gens qui annoncent la parole sont d'office conducteurs. Basali pembalamoko bakambi ya libota. Parce que bâton, houlette, c'est la parole. Parce que le bâton ou la houlette, c'est la parole de Dieu. Bonjour, vous suivez attentivement. C'est ça. Je vous dis ceci pour comprendre chaque mouvement. Lorsque nous avions lu Apocalypse 20, assis sur le trône par la foi, on a vu que nous sommes assis sur le trône par la foi. Aujourd'hui, mais je consens Natango l'épouse outi connaît-toi équiti. Et ça se fera du temps où l'Église descend sur la terre. Alors l'Église doit recevoir ce trône. Au verset 4. Au verset 4. Yango, tu peux qui est référence Matthieu 19, verset 28. C'est pourquoi nous t'avions donné l'écriture de Matthieu 19, le verset 28. Je continue verset 4. Je continue le verset 4. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assient, fit donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. À cause du témoignage de Jésus. Apocalypse 12. Ce sont ceux-là dans Apocalypse 12. Bangoyo. Ils sont là. Dans verset 17. Au verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu. Et qui ont le témoignage de Jésus. Ce sont eux-là aussi qui sont tués dans Apocalypse 7. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints. Ceux qui sont combattus par la bête. Et de les vaincre. La bête va vaincre. Cela veut dire à Koboma Bango. Cela veut dire que la bête va les tuer. Lorsque la bête les tue. Bango, Apocalypse 20, verset 4. Ce sont ici qui seront ressuscités par le Seigneur dans Apocalypse 20, le verset 4. Na l'ère millénium et Zobanda. Du temps où commence le règne de mille ans. Vous suivez attentivement. Que Dieu bénisse. Amen. De yango, total ici yango. C'est ce que nous avons montré. La femme oyo dragon azo attaqué. La femme que le dragon attaque. Et ça la première étape. Il y a la première étape. Le dessin la grande aigle et gozoa la femme et bombi la femme. Les décelles du grand temple vont préserver la femme. Afin que la femme soit nourrie 1260 jours. Afin que la femme soit nourrie pendant 1260 jours. L'écriture est nommée loin de la face du serpent. L'écriture dit Mosika ya Bosali Samiamika. Cela veut dire lorsque les deux joints seront là. Serpent kokoka ba femme. Le serpent ne saura pas vaincre la femme. Bango wana deux wana de la terre o eza na bouche. Et ce sont les deux yeux qui sont la terre qui a la bouche. Donc bâton. Donc des bouches. Mais basa na grâce ministérielle pour na musara wana. Donc des humains qui ont la grâce ministérielle pour ce service. Yango komona. C'est pourquoi tu vas revenir. Bengi na talisi yoke. Comme je t'ai montré. Voici na verset 1. La femme au verset 12, Apocalypse 12, Azalikolo, est au ciel. Mais moi, si, dans le verset 14, mais au verset 14, Azanase, elle est sur la terre. Na 13, et au verset 13, Yoganingi Balobi, écoute l'écriture.
Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme. Position où la femme est à terre. Dans cette position, si la femme est sur la terre, amen. Quelle position on a dans le voisin au ciel et on t'a dit ça bisou l'église. Donc quand cette femme est au ciel, représente nous l'église. Dans le voisin à terre, on t'a dit ça Israël. Lorsqu'elle descend sur la terre, elle représente le peuple. Parce que bisou on t'a dit ça qu'à Sarah, Jérusalem d'en haut. Parce que nous l'église, nous représentons Sarah, la Jérusalem d'en haut. Agar, Jérusalem d'en bas. Et Agar comme la Jérusalem d'en bas. Mais protection. Mais la protection. Et ça l'est mis par la bouche. Oyoyo et protéger la femme. C'est fait par la bouche qui protège la femme. Pourquoi est-ce en Asima? Pourquoi la bouche est derrière? Sima est allé sa cap plus petit. Derrière représente le plus petit. Dans un exemple. Je prends un exemple. Dans mon bazo consacré par sacrificateur comme par serviteur. Lorsqu'on consacre les sacrificateurs comme les serviteurs. Bah on va comme bouche au milieu du peuple. Ceux qui seront comme la bouche au milieu du peuple. Dans Exode 29. Dans Exode 29, bien aimé. Verset 22. Le verset 22. Bélier y a consécration. Le bélier de consécration. Et ça la capé la queue. A aussi la queue. Nous avons un contact ici avec Aaron. C'est pour montrer que toi Aaron. Na banana yo. Et tes fils. Lokola Bozu m'a fouta beaucoup mis la queue du comme peuple. Vous avez reçu l'onction, vous devenez la queue du peuple. N'est-il plus petit? Lokola Baye Bazali moqué. Mais bien on est bouche. Mais c'est vous qui êtes la bouche du peuple. C'est pourquoi vous remarquerez ici la bouche est derrière la femme. Mais on protège. Mais elle protège la femme. Y'a vous qu'on remarque. C'est pourquoi vous remarquerez. La taille à Gédéon. Du temps de Gédéon. Le Seigneur a l'obligé. Le Seigneur dit ceci. Gédéon pour la situation de Madianite. Gédéon pour la situation de ceux de Madian. Descends en camp. Quitte ne. Sokozo banga. Si tu y as peur. Sois ton serviteur pour aboken. Et prends ton serviteur pour aller descendre ici. Et ça dans Juge 7. C'est dans Juge 7. Tangwa descendre à Koyoka Lisolo. Lorsqu'il est descendu, il est allé écouter les songes. Lisolo ni na zoyo. Qu'est-ce qu'il écoute? Ayoki. Il écoute l'un des ennemis qui dit j'ai eu un songe. Le songe qu'il a eu, il a vu une tente et il a vu un gâteau. Un gâteau qui roulait, qui a heurté la tente et qui a renversé la tente. Et son ami a dit le gâteau que tu as vu, c'est le et ça, mon pas de Gédéon. Maintenant, écoute comment il t'explique l'épée de Gédéon. Lorsque Gédéon avait choisi des soldats, le Seigneur avait soumis à une épreuve parce que les gens étaient tellement. La copie sa gloire n'a pas tenu en sauté. Je ne peux pas donner la gloire à tout le monde. À salir l'exercice. Le Seigneur a fait une épreuve. Basusu bakogate. D'autres ne sont pas parents. À salir deux fois. Il l'a fait deux fois. Bango nion soana aipsi bango bazung. Il a dit à tous ceux qui n'étaient pas parvenus de rentrer dans la maison. Donc ceux qui étaient rentrés là-bas dans la maison, ils la délivrance. Donc ils attendaient la délivrance. Mais délivrance, c'est qu'on a 300. Mais la délivrance viendra avec les 300 hommes. Mais 300 hommes. Mais c'est 300 hommes. On les a divisés en trois corps. 100, 100, 100. Kamamoko, kamamoko, kamamoko. Bango nion son bazui ma trompette. Sont reçus des trompettes. Pourquoi pas ça? 100, 100, 100. Pourquoi ils sont 100, 100, 100 en trois groupes? 100 en Italie, Abraham. Ces 100 là représentent Abraham. Parce que Zambé a zo Abraham dans 75 ans. Parce que le Seigneur avait pris Abraham à l'âge de 75 ans. Abraham a koufi dans 175 ans. Et Abraham est mort à l'âge de 175 ans. Tant que nous parlons d'Abraham et Zanani. Lorsque nous parlons d'Abraham, il est qui? Tant que Abraham a salaki sacrifice dans Genèse 15. Lorsque Abraham avait fait un sacrifice dans Genèse 15. Akabola ki banyama misato. Il avait partagé trois animaux face à face. J'avais entendu d'autres prêcher, il y a trois animaux et deux oiseaux.
ministères. Cela veut dire cinq ministères. Obanyamawana. Et ces animaux. Il représente l'apôtre. Représente l'apôtre. Et l'autre. Évangéliste. Évangéliste. Moko il représente pasteur. L'autre pasteur. Maintenant les oiseaux. Les prophètes. Comme prophète de Kalikolo. Un docteur. Et les docteurs. Tu vois bien aimé. Il y a d'autres qui rentrent dans la chair, dans le feu, non parce qu'il a été impudique. Et non, c'est seulement parce qu'il a prêché mal à l'épouse d'autrui. Il ne faut. Donc c'est terrible. D'un chef et puis. Et puis tu lui dis. Président lui dit. Le président a dit. Oui, comme ça. Maintenant, service de sécurité vérifié. Maintenant, les services de sécurité vérifient ton information. Désolé, mais c'est une fausse information. On va te laisser tranquille. Là, c'est pas avec le roi de la terre. L'église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Maintenant, tu lui dis des choses que l'époux n'a pas dites. C'est pourquoi Jacques 3 dit. Ces animaux-là étaient expliqués par l'Éternel. Postérité Abraham. Le Seigneur l'avait appelé, les avait appelés postérité d'Abraham. Représente les puissantes nations qui dominent souvent Israël. Comme ils étaient coupés en deux parties. L'un vis-à-vis de l'autre. Et il était l'un vis-à-vis de l'autre. Et ça, la maison d'Israël avant Jourdain. C'était comment la maison d'Israël, d'autres étaient restés avant Jourdain. Après Jourdain. Et d'autres étaient allés après Jourdain. Et tous ce sont des animaux de Dieu. Parce que l'Éternel est mon berger. C'est que Bango Baza est brûlé. Je ne manquerai de rien. Et pour les amours et Katanaki na Jourdain. Maintenant, ces animaux étaient partagés dans le Jourdain. Avant. L'autre partie est restée avant. Et tel Moussé qui est après. Et l'autre partie est allée après. Alors, Baza qui l'un vis-à-vis de l'autre. Alors, ils étaient l'un vis-à-vis des autres. Abraham a expliqué en quoi le mouvement de ça. Abraham l'expliquait par le mouvement qu'il faisait. Les oiseaux et Talisaka. Quelque chose de spirituel. Le lenge Zamba a conduit ce peuple là na boubou par la colonne de feu. De la même manière, le Seigneur conduisait ce peuple la nuit par la colonne de feu. Amboy par la colonne de nuée, c'est un oiseau. Et le jour par la colonne de nuée, un oiseau. Y a mon comment on a oiseau de proie bah quoi y a du colo bah ndekete. C'est pourquoi les oiseaux de proie ne s'étaient pas abattus sur le oiseau. Et ceux qui étaient là-bas ont bandeké on a bah qui maté. Et puis leur descente, ces oiseaux là n'avaient pas. Oui, non. Ça là mon naturellement. Il faut le faire. Les chamounena ya kouya ni kolé loko mouesa. Bandeko parce que Mickey wana ba akima. Naturellement les petits oiseaux là vont fuir. Mais écriture on a bandeko Mickey ba akima te. Mais dans cette écriture les petits oiseaux là n'avaient pas fui les animaux de bois. Et Talisaka. Oyoyo et conduisaka ces peuples, ces deux oiseaux-là. Dans ces deux oiseaux-là représentaient le conducteur du peuple. La colonne de feu et la colonne de nuit. Les continents montent au pied du patin à Kembo. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'oiseau de proie, l'oiseau de proie qui était venu. Les arts étaient la puissante nation. Représente les puissantes nations de la terre. Qui prend Israël pour l'amener en captivité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Abraham les chasse. Abraham a bengali banyamon, banekiona baliakamisuni. Cela veut dire. Si Israël entre dans la captivité, le Seigneur ne se souvient que de l'alliance d'Abraham. Alors il va chasser les ennemis du peuple. C'est ça ce mouvement-là. C'est pourquoi comme Madian avait dominé Israël. Et c'est là qui groupe est à la réalité mouvement par rapport à. Abraham les chassa. Il fallait que les groupes prennent le mouvement d'Abraham les chassa. Trois groupes n'y ont soin. Mais, n'y ont soin, ça. Madianite, mon agia, on en doute. Mais les Madian l'avaient vu ensemble. Qu'est-ce que Madian l'avait appelé? Ben. Lipa.
The trois groupes non sont à 100. Dans tous les trois groupes de 100. Madianite a l'obligé. Les Madianites avec. J'ai vu un pain. N'amoni lit pas mon corps. Trois groupes non sont. Ces trois groupes là. Oninga n'a interprété. Et son ami l'a interprété. Et l'ingo loba. Et b. Mon papa est généreux. Et c'est ça l'interprétation. Y a moné l'ipolé un dodo. Donc 300 nions sont balimotali ça. Les b. Tous les 300 là représentent les b de généreux. Vous suivez attentivement. Pourquoi ils sont en trois groupes? Donc, et tous là représentaient toute une armée. Comme char. Donc, trois groupes, c'est trois prophètes d'Apocalypse. Ces trois groupes là sont trois prophètes d'Apocalypse. C'est pourquoi ils tous avaient des trompettes bien-aimées. Mais Gédéon avait pris un groupe de sang. Cela représente l'éternel lui-même quand il viendra. Mais des groupes à 100 mais il y a aussi des groupes de sang. Les témoins. Il représente les deux témoins. Bazon bomba délivrance à peuple. Et aussi cache la délivrance du peuple. Oesa bénédiction. Qui est la bénédiction? Parce que centuple tel sa bénédiction. Parce que le centuple c'est la bénédiction. Dieu a béni qu'un seul père, qu'un seul homme. Zabé a pas pour la caca moto moko na makapo. Esaïe 51. Bénédiction zagana Abraham. La bénédiction c'est en Abraham. Et Abraham a tambola dans Zambé, na chiffre 100. Et Abraham a marché avec Dieu avec le chiffre 100. Yango balo baso ki Zamba pambolo badenga ngo au centuple. C'est pourquoi si le Seigneur t'est béni, on appelle centuple mokama. Donc yebaboui. Ça c'est si bien aimé. Basous d'autres bakoka kobunda te. N'était pas parvenu. Bazonga na bandaku. Ils sont rentrés à la 300 wanande bakokwesa la maison de Magadi. Ils regardaient comment les 300 vont renverser la tente de Magadi. Baro bazonga na bandaku isotali sa. Ce qui était rentré à la maison d'Israël représente tout le peuple d'Israël. Pourquoi je t'ai dit cela? Avant que cette chose ne se passe, Gédéon avait pris la toison de laine. Et il a posé sur le terrain. Toute la nuit. La rosée ne descendait que sur la toison. Et la terre restait sèche. Pourquoi cela s'était passé du soir et toute la nuit? Et cela représente. Depuis que Dieu avait chassé le premier Adam. Parce qu'il avait chassé Adam la nuit tombée déjà. Parce que l'écriture est lobée vers le soir. Parce que l'écriture est lobée n'a pourquoi. La voix de l'Éternel parcourait les jardins pour chercher Adam. Et il a commencé à juger le soir. Jusqu'à ce qu'il a fini. Il l'a revêtu. Pour et l'a chassé. Lorsqu'il chassait Adam physiquement, c'était vraiment la nuit naturelle, le soir naturel. Le soir naturel entrait déjà. Pourquoi? C'était le signe de l'homme vendu au péché. Donc il a abandonné la lumière pour entrer dans les ténèbres. Maintenant, ces temps-là, le Seigneur commence à utiliser la toison de l'aigle. C'est comme il prend Abel, son esprit. Il met sur lui son esprit. Mais il a abandonné la terre sèche. Prophète. Il prend le prophète. Et ça dit toute la nuit. Donc, et ça pour tout mon bimba. Il y a une Bible le dit. C'est pourquoi la Bible. Sentinelle qui dit de la nuit. Mon Saint-Seigneur le dit. Dans Esaïe 21. Il faut la nuit où est qui outa Adam. Il faut savoir que la nuit qui était depuis Adam. Comment on a mis à la cala la mort. S'appelle la mort. La mort répète sa nuit. Et la mort parle de la nuit. La mort une fois à soleil les vents. Et celui qui peut chasser la mort ne peut être que le soleil. C'est pourquoi lorsque Zacharie parle aussi. Alors le soleil les vents nous a visités. Donc il chasse la mort. Donc pour chasser les ténèbres de la mort. Yango Jésus a mis na tombeau très tôt le matin. C'est pourquoi Jésus était sorti de la tombe tombo makasi.
Cela était le signe de la victoire sur les ténèbres. C'est ça. Parce que la mort est incomparable à l'obscurité. Parce que la mort est comparable à la nuit, l'obscurité. Il y a une Bible dans Ézéchiel 13 et Bengaka. Prophète, sentinelle. C'est pourquoi Ézéchiel 13 appelle le prophète comme des sentinelles. On établit les sentinelles pour la nuit. Ça la confusion, tenant alliance en matin, alliance à soir. Ne fais pas la confusion entre l'alliance du matin et soir. Ouais, ça par rapport au travail. Là, c'est par rapport au travail. Travail, ça la journée. La travail, c'est le travail. Ça, le travail, il y a tango. Il y a le travail du matin. Il y a beaucoup, ils ont clôturé. Et celui du soir, il clôture. N'allez qu'en bas travail. En ce qui concerne l'alliance, travail, la loi, ils ont matin. L'alliance de la loi, c'est le matin. Il y a grâce, c'est ça, à soir. Et celui, celle de la grâce, c'est le soir. Même pendant la chute, attends. Mais depuis la chute de l'homme, c'est la nuit. Et ça, pour tout. Maintenant, Bazalaki Kolukana n'a convaincre nuit. Maintenant, on cherche celui qui va vaincre cette nuit. Il y a mon qu'on remarque. C'est pourquoi tu vas remarquer. Ma pagnon, ce oyo, il y a un peu ça, chaque jour. Donc, tout le pain. Et ça, pour aller qu'à bout de donc, la manne qui descendait chaque jour, il y a un peu de c'est ça. Cela représente tous les prophètes parce qu'ils retenaient à la mort. Mais il y avait un pain, le sixième jour. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il est né du temps de la mort. Mais il a traversé la mort. Mais il a traversé la nuit de la mort. Il a traversé la nuit. Il a traversé la nuit. Collé les lots dans sa barre. Et nous les mangeons aujourd'hui le septième jour. Yéhoana. Lui Jésus-Christ. Abotami comme Jésus. Il est né comme Jésus. C'est le sixième jour. Sixième jour. Allons pour tout qui est la mort. Il a vécu les ténèbres de la mort. Sabbat est. Le sabbat est venu. Tolé. Et nous les mangeons par la parole. C'est lui la manoana. Aïe Baba Juif. Manoana qui va vaincre la nuit. Pour tout. C'est lui qui est le vainqueur de la mort. Yéhoana mon long Jésus. C'est Christ Jésus. Christ Jésus. Yéhoana le dit au mort où est ta victoire. Liwawa pi au mort, où est ton équilibre? Il faut y avoir. Il faut savoir ceci bien. Toison et les caputou mobimba. La toison avait passé toute la nuit elle seule renfermée la rosée. Toison en était le sagaba prophète Jérémie. Et cette toison représente Daniel, Jérémie, Daniel, Moïse, Babel. Babel. Mais lorsque le matin arrive, Gédéon a pris la toison. Voilà, toison en école maintenant Jésus-Christ parce qu'il n'est pas un prophète. Maintenant, le matin, cette toison devient Jésus-Christ parce qu'il est aussi prophète. N'est-ce pas Jean-Baptiste à mon avis, l'esprit est descendu Nicolas dans la forme de la colombe. C'est Moux. N'est-ce pas Jean-Baptiste avait vu l'esprit descendre sur Jésus en forme de la colombe. C'est la rosée qui dit sur la toison. Les aliments qui ont quitté l'icolo et la main salamine. Maintenant, place où on a Gédéon est éternel. Maintenant, à cet endroit-là, Gédéon c'est comme l'éternel. À suite toison. Il prend la toison. À Camoli. Et Gédéon l'a pris. Ça. C'est pourquoi Jésus a Gethsemane avait transpiré. Gethsemane dit qu'on va pressoir. Gethsemane dit et camolé. Comme la recette. C'est Gethsemane. Pressoir. Il y et c'est ce que Gédéon avait. Sa lèvre de la croix. Et cela il représentait l'œuvre de la croix. Mais dans l'œuvre de la croix. Mais lorsque l'œuvre de la croix s'est accomplie, la rosée qui était sortie de la toison, Gédéon l'a mise dans la coupe. Ephésiens 4, verset 11 à 14. Et cette coupe-là, c'est Ephésiens 4, verset 11 à 14. Les ministères de la parole. La rosée là dedans. C'est pourquoi Corneille, même s'il faisait de ange. L'ange est venu le visiter. Ange a eba qui coupe. L'ange connaissait la coupe où il y avait. Il lui a dit. Tinda batoba benga Pierre. Envoie les gens pour appeler Pierre à Jean-Pierre. Il va te dire des paroles. Na yango par lesquelles tu seras sauvé. Ange s'il est. L'ange est parti. Il est parti. Ce qui Corneille azalaki na 2021. Si Corneille vivait en 2021. Ange azalaki. L'ange veut le visiter. Mais la salle église. Il commence déjà l'église. Témoignage. Ange a témoigné. Et l'ange m'a vu apparaître. Mais sans mourir, mon sang. Mais sans cet esprit. C'est vrai, l'ange a dit. C'est vrai, l'ange lui avait appris. Mais l'ange a dit que rosée était dans la coupe. Mais l'ange connaissait bien que la rosée était dans la coupe. Dans la coupe, quoi. Lorsque la coupe vient. Dans le roman, lorsque la coupe va commencer. Rosée descend. La rosée descendra sur les gens. Dans le pierre. Lorsque Pierre est. Abandi pour le roman, quand il a commencé à parler. Azolo. Il parlait. Azolo. Il parlait.
le Saint-Esprit descend et visite toute la maison. L'Esprit du Seigneur et quand on a quatre ministère de la parole, dans le ministère de la parole qui est la coupe, il y a une coupe là et c'est cette coupe qui est le ministère de la parole. Lorsque je dois finir, alors le Seigneur permet cette fois aussi la nuit suivante, ma belle maintenant des que ça puisse, que la terre puisse renfermer maintenant la rose. C'est ça, ta église. Que c'est le temps de l'église, frère. Parce que l'église a un chandelier. Chandelier, ma belle, ça va pour la boutou. Les chandeliers, on l'allume le soir. Mais bisous-moi, t'as ça comme chandelier. Nous ne sommes que la terre. Mais ton suis grâce. Le corps de Jésus va presser la toison. La rosée descendra sur la terre. C'est pourquoi aujourd'hui l'église a le Saint-Esprit. Mais ton suis en taille à lui. Parce que ton suis en taille à Boutou. Lorsque la deuxième nuit passe, Israël était toujours esclave de Madian. Et ça lui allait. Donc c'est la nuit d'aujourd'hui. Mais le temps où tout le monde est lorsque le matin arrive, Seigneur ira maintenant combattre les Madianites. C'est après notre enlèvement. Les mouvements de Gédéon à 300 hommes et bandits. Alors le mouvement de Gédéon de 300 va commencer. Et ça les notaires. Ce n'est pas aujourd'hui, frère. Et allez, notaire. Ce n'est pas aujourd'hui. Les Cambana Gédéon. L'affaire de Gédéon. La crèche. Avec la na flambeau, ils ont avec le flambeau allumé. Ils ont allé ça. Représente la parole où ils ont bomba jugement. L'iloba où ils ont dit qu'on bomba jugement. Ce qu'ils n'ont pas dévoilé. Si le Seigneur dévoile, le flambeau est mimi. Dans les flambeaux sortis. Ils ont pour quoi ça ennemi Madian. C'est pour renverser l'ennemi qui est Madian. Vous aurez un amalan. Je suis pas attentif. Mais Bangonion, ce trois groupes, on est allé saka, trois prophètes dans l'Apocalypse. Trois groupes là représentent trois prophètes d'Apocalypse. Premier sang. Le premier sang. Élie. C'est Élie. Deuxième sang. Deuxième groupe de sang. Moïse. Mose. Bangonyo son akate na bango bazana bénédiction Abraham pour la délivrance avec. Et tous en ont la bénédiction d'Abraham pour la délivrance d'Israël. Yango moni basi meki ba trompette. C'est pourquoi ils avaient des trompettes. Mais il y avait un groupe moko oyo Gédéon azwa ki pona ye. Mais il y avait qu'un groupe que Gédéon avait réservé pour lui. Ouais. Éternel. Là, ça représente lui-même l'éternel. Akoyan Armageddon. Il viendra dans la bataille. Akoyan a grande trompette aussi. Akoyan a baqué ils ont bêta. Toujours dans la bénédiction d'Abraham. Toujours dans la bénédiction d'Abraham. Abraham les chassa. Abraham a bendani bandeke baliaka bisouni. Enfin qu'Israël soit libéré. Enfin qu'Israël soit libéré. Mais bateau, bazongi nanda. Maintenant, ceux qui sont rentrés à la maison. Baza faible. Parce que la délivrance n'a trois groupes. Ils attendent la délivrance par ces trois groupes-là. Ils ont dit son peuple d'Israël. Et ils représentaient le peuple d'Israël. C'est cette femme-là qui est la terre. Et c'est ça, là, cette femme-là qui est la terre. Que cette femme-là n'est pas mais il ne faut pas protéger na trois groupes. Il faut qu'elle soit protégée par trois groupes de soldats. Trois groupes nous sont les uns à trompette. Et ces trois groupes-là sont pourvus de trompettes. Israël est là. Aujourd'hui, Israël. Galates 4 est l'objet à Zana 16 esclavagisme. Galates 4 dit qu'elle est sous la servitude. Autant qu'il appartient à verset 24, qui est dans verset 27. Jusqu'au verset 27. À Zana Saboum. Elle est sous la servitude. Boumba Niboso. La première servitude. À Kangami Namobeko. La servitude. À Zana Aveglé. Sous la loi aveglée. Nengi Galates. Corinthiens 3 et l'obé. Comme nous le dit Corinthiens 3. Boum boum soussou. L'autre servitude. Azana c'est à l'alliance à la nation de la terre. Sous les alliances des nations ou des peuples de la terre. Ça peut boum. C'est aussi une servitude. Deux groupes on a pas. Ces deux groupes là pas. Bangonde bakoya poba libéré. Ce sont eux qui viendront pour la libération. Trois groupes nous c'est lingo loba. Ces trois groupes là veut dire. Épée de Gédéon. Mon panga ya Gédéon. Donc, Gédéon comme éternel. Gédéon comme l'éternel. Yende a pris sa toison. Yende a kamola ki. Mais wana azuya pour délivrer. Mais là, il vient pour délivrer Israël. Que Jésus-Christ vous bénisse. Jésus-Christ soit pas pour wana déjà tous au côté. Là, nous
nous entrons déjà. Le lingue zambé a kutinda deux prophètes. Comment est-ce que le Seigneur va envoyer les deux prophètes? En Israël. En Israël. Pour la délivrance na bango. Pour na kokangolami na bango. On a 144,000 candidats pour protéger parole. Là c'est seulement les 144,000. Mais après on a Gédéon pas qu'il y en a 100. Mais après cela, Gédéon aussi va amener le groupe de gens. Chiffre de bénédiction d'Abraham. Les chiffres de la bénédiction à Abraham. Agoya aussi pour combattre pour la délivrance. Il viendra aussi pour combattre. Ouana na Armageddon. Là, la bataille d'Armageddon. Que Dieu bénisse. Et que la paix du Seigneur les aille corona moko na moko. Que la paix du Seigneur soit sur tout un chacun. Zambé a bomba yo a batte la yo. Sois salé la yo bola mumingi. Que Jésus Christ lui fasse beaucoup de bien. Et qui t'ouvre de bons chemins. Et qui l'accomplisse de miracles. Et qui la paix ton partage. Seigneur, merci parce que ça dit malam mumingi. Merci Seigneur parce que tu es bon. C'est par ta grâce que tu nous as donné ce temps. C'est toi qui fais des prodiges. Tu connais tout un chacun comment la suivre. Applique la délivrance. Vive la délivrance. Amour la solution de Kambonaye na tango yo na zoloba au nom de Jésus. Voyez la solution de son problème à cet temps. Yo kamotema na ye ni kambazali kosenga. Écoute ce que son cœur demande. Soit ni kambozana ngo kosenga na Kambonaye Jésus Christ. Reprends la solution au problème que Zambe a fungolé la yo banzela na Kambonaye Jésus Christ. Asale la yo bolamu na kombona Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu bénisse.